Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir pour faire un poncho, nouveau modèle, de 6 à 12 mois. Vous voyez, il est tout droit. Il n'y a pas de bouton, mais si vous voulez, vous pouvez en rajouter un ici. Ici. Mais moi, je l'ai laissé comme ça. C'est un petit poncho qui va pendre sur les épaules. Donc, vous pouvez faire la largeur que vous voulez, si vous voulez plus grand ou plus long. Ici, c'est de 6 à 12 mois. J'ai fait un petit col. Donc, je vais vous donner la largeur, la longueur. Sans le col du haut. En bas, il fait 26 cm. De large, 30 cm sans compter la petite bande à côté. La petite bande à côté fera 2, 3, environ 4 cm. Donc j'ai pré-accroché numéro 4. De la laine qui se tricote avec du 3,5-4. Moi, j'ai pris de la zurite, mais si vous avez une autre laine qui se tricote avec du 3 ou 4, ça ira. Donc, j'ai mis une boule de mauve, une boule de rose et deux boules de blanc, parce qu'il y a le col, il y a plus de lignes de blanc. Donc, il se commence ici en bas. On va toujours monter, monter, monter. Ensuite, je vous ferai voir pour les épaules, l'encolure, et on continuera à monter comme ceci. Les petites bandes se font après, avec le col. Donc, on va commencer ici en bas, avec la couleur blanc, le crochet. Et vous allez monter une chaînette de 59. De 50 mailles, pardon, 50 mailles. Donc, je vais enlever pour qu'on voit mieux. Vous tournez autour deux fois du doigt. Vous prenez le premier fil. Vous allez chercher le deuxième. Une boucle. Voici le nœud est fait. Et vous montez une chaînette de 50 mailles. 4. 5, 6. Voici, moi j'ai fait un échantillon, vous avez 50 mailles. Quand vous êtes arrivé à 50, on va commencer le premier tour. Faites un jeté, vous piquez dans la maille qui suit ici. Vous piquez dans chaque maille, vous faites une bride. Un jeté, vous piquez, vous ramenez une boucle, un jeté, vous prenez deux mailles à jeter, vous prenez les deux sur le crochet. Vous faites ça jusqu'au bout de la ligne et on se revoit après. Voici la première ligne est faite. On va passer à la deuxième. On fait deux mailles en l'air, on tourne le travail et cette fois-ci, je vais zoomer un peu. On va faire des brides, mais on va pas piquer dans la maille. Comme ceci, vous voyez, il y a deux brins de laine ici. Faut piquer dans un seul brin de laine. Pas le premier, le deuxième. Celui du fond. Et vous faites votre bride. Dans la maille suivante, pareil. On va dans celui du fond et on fait sa bride. Voyez, une, deux, on prend celui côté table. Donc, j'ai oublié ma jetée, une jetée, et on fait sa bride ici. Et tout le long, durant, on fait comme ceci.
Donc ici, on est au deuxième tour de blanc. Il faudra toujours faire deux tours de blanc, un tour de rose et un tour de mauve. Donc ici, on finit le tour blanc en faisant les brides, comme je viens de vous dire. Vous voyez, on prend qu'un seul bras de laine et on continue jusqu'au bout. À tout de suite. Voici, la rangée est faite. Vous voyez, vous allez avoir un beau petit dessin. Donc, je vais changer de couleur. On coupe le bout de laine. Je vais prendre la rose. Je vais prendre la laine rose, faire une boucle et la rentrer dans la boucle blanche. Je vais tenir les deux petits bouts. Voilà. On va faire deux mailles en l'air. Une, deux. Et on va recommencer à aller dans un seul bras de laine, côté table, ici. Et on fait sa bride. On n'oublie pas de rentrer les petits bouts de fil. Donc, on pique dans un seul brin de laine et on fait sa bride. Tout en rentrant les petits fils. On fait bride. Une bride. Une bride. Les petits bouts vont bientôt être rentrés. Quand vous voyez qu'ils sont bien rentrés, vous pouvez les couper ici à ras. Ça ne s'en ira pas. Voici, vous allez continuer la ligne rose jusqu'au bout du rang. Et on se revoit ensuite. Voici fait. La rangée est faite. Vous coupez un morceau de rose. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Et on va prendre la laine mauve. On prend la laine mauve. On fait une boucle et on la rentre dans la boucle rose. On tient les deux petits bouts de fil. Une, deux, on fait deux mailles en l'air, une, deux, on tourne le travail et on recommence les brides en piquant dans un seul brin de laine et on fait sa bride. On tire un petit peu sur les petits bouts, on les rentre en même temps. Vous voyez, on continue en bride tout le long de la ligne. Voici ce que ça donne. Donc vous allez continuer la ligne et on se revoit pour la couleur blanc. À tout de suite. Voici, quand vous avez fini, vous avez ceci. Donc, on va recommencer deux rangs de blanc, tout en piquant toujours, dans tous les tours, dans le brin arrière. Le seul brin de laine arrière. Donc, une, deux, c'est la troisième rangée, deux de blanc, une de rose, quatrième rangée. Il n'y a que blanc, on fait deux rangées. Après une et une. Je vais vous montrer. C'est pas difficile. On est ici. Une, deux, trois, voilà. Vous allez continuer. Deux blancs. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Deux lignes de blanc. Un rang de rose. Un rang de mauve. Et vous allez faire 17 rangées.
et arrivé à 17 rangées, je vous montre pour les épaules et l'encolure. Et je vous dis à tout de suite. Voici, quand votre dos est fait, vous avez ce morceau ici, le grand carré. Donc on va s'occuper maintenant des épaules et de l'encolure. Donc, moi j'ai fait un échantillon, je suis arrivée à la couleur mauve. On va mettre la couleur blanc. On tient les deux petits fils. On fait deux mailles en l'air. On tourne le travail. On tient les petits fils. Et on va continuer en faisant des brides, en piquant dans qu'un seul brin de laine. Et ici, les deux mailles en l'air comptent pour une bride. J'en ai fait une deuxième. On va faire une troisième. On est en train de faire les épaules. 4. 4. 5. J'ai coupé le petit fil. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Dix, onze, douze, treize et quatorze. Je vais débarrasser un peu ici. Quatorze. Donc, maintenant, on a fait une épaule, on va faire l'encolure. 14 pour l'épaule, il faudra bien sûr 14 ici. Donc, on fait l'encolure, on va monter une chaînette de 28 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Le chaînette de 28 mailles. Et ici, à partir où qu'on a fini l'épaule, ici, qu'on a fait les mailles, on va compter 28 mailles dans le mauve. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 28. Donc, plutôt 2, 4, 6, 2, 4, 6. Ça va aller plus vite. On prend le côté où il n'y a pas d'épaule. Vous comptez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vous mettez un petit repère ici avec une autre couleur. Comme ceci. Voilà. Donc, on est à la chaînette de l'encolure. On va ici planter, piquer le crochet où il y a le repère. Vous enlevez le repère.
et vous faites une maille coulée. Vous montez une, deux brides. Alors, excusez-moi, on revient à la chaînette. Le petit repère était là. On fait une bride, non une maille coulée, on fait une bride ici, au petit repère, et on fait sa bride. Je suis vraiment désolée. Voilà, l'erreur est réparée. Une bride, et vous allez continuer jusqu'au bout, 14 brides pour faire les épaules, tout en prenant toujours un seul brin de laine. Je vous laisse finir la petite épaule, et je vous dis à tout de suite. Voici la deuxième petite épaule est faite. Vous voyez, on a fait 14 brides ici, 28 mailles en l'air, le chaînette, et 14 brides ici. Donc on est à une rangée de blanc, on va faire deux mailles en l'air et faire la deuxième. Vous voyez, vous allez piquer dans un seul brin de laine. J'enlève vite tout ça. On va faire les 14 brides ensemble et je vous montre pour l'encolure. On arrive à l'encolure. Il va falloir travailler sur la chaînette. On arrive à la fin. Vous allez vraiment bien jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, on va travailler sur la chaînette, l'encolure. Donc, on refait dans tout de suite la maille suivante, tout de suite la première maille de chaînette, on pique dedans, on fait une bride. La maille à côté, on fait une bride. Vous voyez, on refait une bride. Une bride. Et vous allez faire des brides tout le long de la chaînette. Et on se revoit ici pour la deuxième épaule. À tout de suite. Voici, on a travaillé la chaînette, vous voyez, on voit l'encolure. Donc on arrive ici, à la fin de la chaînette, on fait une bride sur la première bride de l'épaule, mais en prenant toujours le brin de laine arrière. Il faut que le dessin suit. Et vous allez finir la petite épaule de 14 brides jusqu'ici et on se revoit après. À tout de suite. Voici la petite épaule faite. Donc on voit ici deux rangées de blanc. On arrête. On coupe le fil et on va mettre le fil rose. On le fait rentrer. Voilà, on tient les deux petits bouts, on fait deux mailles en l'air,
on va recommencer une ligne de rose en piquant toujours la laine dans le deuxième brin de laine. Tous les tours seront à faire comme ceci. Une bride. Là, vous voyez, après l'encolure, vous allez refaire la même chose. On avait fini le dos, on a fait l'encolure, on fait le devant. Donc vous allez faire la même chose, je vais vous montrer. Évidemment pas le col, je l'enlève. On a commencé ici, on a fait tout ça, on a fait l'encolure. Je retourne, on va faire la même chose qu'on vient de faire, tout en suivant les couleurs. Vous voyez? Donc, vous avez mis autant de rangées ici. Si vous voulez plus, vous rajoutez. Vous remettez autant de rangées après l'encolure ici. Et on se revoit quand les deux parties seront faites. On se reverra pour soit les deux bords de chaque côté ou le col. À tout de suite. Voici, quand vous avez fait les deux parties, voilà ce que ça vous donne. Voici le devant, l'encolure et le dos qu'on a fait en premier. On va s'occuper du col. Vous avez ceci. J'enlève ça. Voilà. Vous allez piquer le crochet ici à droite dans une maille, une bride, bien au milieu ici. Vous allez prendre la laine blanc, rentrer le bouc, faire deux mailles en l'air. Et dans chaque bride, tout ça, vous allez faire une bride. Tout autour, vous allez faire une bride. Et vous allez faire tout le tour en revenant ici, bien ici, à la dernière bride. Il faut que les deux dernières, deux brides qui se collent bien ici. Donc vous faites tout le tour et vous faites 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées. Si vous voulez un col comme ceci, en plus grand, vous faites 8, 9 rangées. Mais pas plus non plus parce qu'après ça ne va pas aller ici. Donc, je vous laisse faire le col et on se revoit après. À tout de suite. Voici, après que vous avez fini tout le col, les rangées que vous voulez, voyez, les deux côte à côte. Faut pas un espace ici. On va faire ici pour la finition une rangée de mailles serrées. Ou de demi-bride, c'est à vous de voir. Vous faites une maille en l'air et vous allez dans chaque maille. Moi, je vais faire des mailles serrées. Vous piquez, vous ramenez une boucle, un jeté, vous prenez le fil et vous le glissez dans les deux mailles. Vous faites une maille serrée, une rangée de mailles serrées jusqu'ici et après vous faites pareil de l'autre côté. Vous voyez, celle-ci elle est faite. On voit que c'est la finition. Donc je vous laisse faire et on se rejoint pour les bandes de chaque côté ici. À tout de suite. Voici, les deux parties du col sont faites. Je vais enlever ça. Voilà. Pour la finition, on va placer le col. Vous pouvez mettre un petit bouton ici, si vous voulez. Donc ici,
Ah oui, aussi, si vous voulez une capuche, il faut me le dire dans les commentaires. Je ferai un pareil avec la capuche. Et je rajouterai ici un bouton ou plusieurs. Il y a plusieurs façons de faire les ponchos. Ici, pour les, vous ouvrez et vous voyez, c'est assez long sur l'envers. On est arrêté ici. Vous voyez, c'est le côté. Donc, les deux côtés du poncho, voilà le col ici, une bande ici, une bande ici. Et pour cela, c'est très simple. Vous allez aller dans chaque maille, commencer par deux rangées de brides, tout en prenant toujours le brin arrière, du côté table. Donc deux rangées de blanc, vous allez faire une rangée de brides rose, une rangée de brides mauve, vous voyez comme ceci là, exactement pareil, vous allez faire une, deux, trois rangées, vous pouvez en faire plus pour que le poncho tombe plus, à vous de voir, vous voyez une bande d'un côté et pareil la bande de chaque côté pareil. Voilà, à tout de suite. Voici les deux bandes faites que je vous ai montrées, une et deux. C'est trop simple, vous faites comme ici. Le col, les épaules, le bas. Voici. Le poncho est terminé. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me mettre les commentaires, ce qui va pas. J'accepte tous les avis. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir à tous.